Hello! Lundi 8 mars, la journée des droits des femmes. Ouh, super! Bref, j'espère que vous, ça va. Moi, j'ai passé un bon week-end, assez studieux, mais j'ai passé un bon week-end. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur le montage du weekly vlog numéro 3. Donc voilà, ça c'est fait. Et on reprend une nouvelle semaine et j'ai décidé de continuer à vous tourner des petites scènes. Donc, Adrien que pourra. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les cheveux déjà, hein, parce que là, c'est wouh, c'est pas la fête. Et pas mal de trucs à faire pour le blog. Le blog cette fois-ci, hein. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout pour l'instant. Et puis, je vais vous parler tout à l'heure du superbe gâteau que j'ai fait hier, parce que voilà, pourquoi pas. J'ai fait un gâteau, une recette qu'a conseillé François-Régis Gaudry. Je sais pas si vous connaissez cette personne, mais c'est le monsieur qui fait très très bon. Je sais pas si vous connaissez très très bon, mais moi je connais très très bon, vu que je suis très très gourmande, j'aime beaucoup très très bon. Donc c'est une émission télé à la base qui s'est exportée à la radio sur France Inter. Et François-Régis Gaudry, entre autres, fait aussi quelques petites recettes sur YouTube. Et j'étais tombée sur sa recette de cake à l'orange qui m'avait donné extrêmement envie. Donc j'ai tenté le coup hier et ce gâteau est une dinguerie intersidérale. Donc j'ai voulu vous le filmer hier et puis finalement, il était déjà trop tard dans la journée. Donc je me suis focalisée sur le gâteau plutôt que sur le filmage, le filmage du procédé, mais j'en ferai peut-être un dans la semaine parce que voilà, parce qu'il est tellement bon qu'à mon avis on va le tuer aujourd'hui et que on n'a qu'une vie, hein. Voilà. Donc bon, là je vais aller prendre mon petit déj. Il est 7h20. 7h20, il y a mon fils qui vient de partir pour l'école et voilà, et puis on est en route et on va se mettre tout de suite à travailler. À plus tard. Une journée qui commence avec ma tasse de Los Angeles. Et un morceau de cette dinguerie intersidérale que je vais vous montrer un petit peu sous toutes les coutures. Regardez-moi. On va y arriver à faire le focus, j'ai pas l'impression. Regardez-moi, voilà, la croûte de sucre. Voilà, et regardez-moi la couleur de ce cake à l'orange. Bref, donc une journée qui commence avec une tasse de thé dans ma tasse Los Angeles, un morceau de ce cake à l'orange digne des plus grands, et le soleil dehors ne peut pas être une mauvaise journée. Ça n'est pas possible. Je refuse. Je refuse. Bon, on en parlera plus tard, hein, mais placé sous de très bons auspices, j'ai l'impression. Hein? On verra si c'est moi qu'on doit placer à l'hospice. Hey, le retour, 14h47. Donc toujours lundi 8 mars, journée des droits des femmes. Ok? Donc en cette très belle journée de droits des femmes, j'ai eu droit au colis que j'attendais. Super! Non, en fait, j'ai fait une petite commande. Une petite commande. J'ai commandé quelque chose pour l'anniversaire de Saskia, qui est le 15 mars prochain, donc lundi prochain. Et j'ai eu envie de prendre quelque chose de différent, sans être vraiment différent. C'est-à-dire que je lui offre régulièrement quand même de la beauté, du make-up, des soins, etc. J'aime bien. Et voilà, mais c'est un truc qu'on aime bien toutes les deux. Et là, je me suis dit que j'allais me lancer pour une marque que je ne connais pas du tout, mais dont j'ai entendu le plus grand bien. Et c'est une marque indépendante allemande qui s'appelle Lethal Cosmetics. Et donc j'ai passé une petite commande. Il y avait
Il y avait une promo pendant le week-end, il y a environ il y a une dizaine de jours. Il faut savoir que ce sont des produits qui sont assez chers à la base. Et voilà, donc je n'aurais certainement pas pu lui faire ce que j'ai fait là en temps normal parce que, pour vous dire la vérité vraie, les palettes, donc là je lui ai constitué une palette de fards. Et en fait, on choisit les fards individuels qu'on veut mettre dans la palette. Et en fait, cette palette-là, si j'avais dû lui faire en prix normal, ça m'aurait coûté 90 euros. Et franchement, 90 euros pour une palette d'ombre à paupières, j'ai quand même un petit peu de mal. Donc là, il y avait une petite promo il y a une dizaine de jours. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour en prendre une pour Saskia. Et je m'en suis fait une à moi aussi parce que j'avais très envie de tester les fards. Donc je vais vous montrer ce que ça donne parce que là, ça arrive en fait. On a la palette, on a les fards et il faut ensuite jouer et les remettre à la bonne place. Enfin voilà, j'arrive pas à parler. En fait, ils sont tous emballés individuellement vu que ce sont des fards individuels à la base. Et en fait, je pensais que c'était eux qui faisaient les palettes et qui nous les envoyaient, mais non, ils envoient la palette vide, les fards. Et débrouille-toi et c'est pas plus mal. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voici donc le colis. Et donc ça arrive ben, comme ça. Hein. J'ai pris donc deux palettes vides de 12 fards. Voilà. Hop, la petite carte. Voilà, donc voilà les deux palettes. Et en fait, ils vous font des petits emballages avec les fards que vous avez choisis. Et il va falloir les remettre dans la palette. Donc, je ne me souviens plus en plus exactement de ce que j'avais choisi pour l'une ou l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir, je vais voir. Je vais me reprendre le visuel que j'avais sur le site. Je vais vous montrer ça tout de suite. À moins qu'on voit le. Je sais pas si on voit le truc. Regardez. Voilà. Donc j'ai fait deux palettes custom. Et en fait, j'ai pris quasiment. Il doit y avoir un ou deux fards qui diffèrent. Mais sinon, je nous ai fait quasiment les mêmes palettes. Parce qu'en fait, on aime. Globalement, on aime les mêmes couleurs. Donc je voulais pas de frustration ni pour l'une ni pour l'autre. Je crois que ouais, il doit y avoir peut-être deux fards qui diffèrent. Sinon, j'ai pris la même chose. Donc voilà. Voilà. Donc, eh ben, je vais sortir tout ça et puis je vais les assembler, puis je vais vous montrer ce que ça donne, hein. Et puis, comme de toute façon, je ne posterai pas ce vlog avant son anniversaire, eh ben, quand elle le découvrira, elle l'aura déjà entre ses petites mimines, donc c'est pas grave du tout. Et je ne la spoile pas pour autant. Mais moi, par contre, j'ai très envie de voir ce que ça donne. Donc, je vais sortir tout ça. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous poser la caméra quelque part et à filmer pendant que j'unboxe. On va voir ce que ça donne. Allez, soyons.
Alors, jeudi 11 mars, si je ne me trompe pas, ça fait 2 jours que je n'ai absolument pas vlogué. J'ai mon fils qui a été malade, on s'est fait encore une fois une petite frayeur. Je pensais que peut-être c'était le Covid parce qu'il avait tous les symptômes en gros d'une bonne grosse crève. Et en ces temps un petit peu compliqués, forcément, il y a de quoi se poser des questions. De toute façon, il était impossible de l'envoyer à l'école avec un nez qui coule non-stop, éternuement, tout, etc. Donc, quoi qu'il arrive, il me l'aurait renvoyé à la maison. Donc, je l'ai gardé à la maison. Il a été se faire tester. Finalement, c'était négatif, bien heureusement. Mais par contre, il avait une crève pas possible. Donc voilà. Donc, je l'ai gardé 2 jours à la maison. Pas qu'il ait spécialement besoin de moi non-stop, mais du coup, j'ai eu plein de trucs à faire. Et vraiment pas de trucs intéressants à filmer. Donc, je reprends aujourd'hui. Alors, je vous montre déjà cette splendeur de temps. Alors voilà, donc ça c'est parti pour. A priori, c'est parti pour une semaine de pluie et de vent et de temps absolument dégueulasse. Donc ça fait toujours bien plaisir, n'est-ce pas? Ça remonte le moral, enfin presque. Ce matin, je dois absolument finaliser mon article pour le blog. J'ai fait une petite sélection déco avec que des produits dans les tons jaunes, parce que premièrement j'adore le jaune, en plus c'est une des couleurs qui est un petit peu tendance pour le printemps là. Pas que j'en ai quoi que ce soit à carrer des tendances en déco, mais de toute façon j'adore le jaune, donc là ça m'arrange bien. Donc là je suis en train de faire une petite sélection déco, je vais essayer de poster ça tout à l'heure. Et là nous avons mademoiselle qui vient me voir, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez mademoiselle? Qu'est-ce que vous voulez mademoiselle? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le projet? Oui. Voilà. Voilà. Et j'attends des colis. Je viens d'en recevoir un. Je vais vous montrer ça tout de suite, tellement je suis déjà ulcérée par l'état du truc. Alors attendez. Voilà. Alors le truc arrive. J'ai pas encore ouvert. Hein. Je voulais vous montrer ça avant d'ouvrir. Ok. Ok. D'accord. Donc là, s'il manque rien, clairement, j'ai du bol. Bon, bref, je crois que c'est ma commande de chez Mermaid and Me. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait un bout de temps que j'ai envie de tester. Donc là, voilà. Mais comment vous dire? Écoutez, je vais faire une photo pour l'envoyer. Pour l'envoyer au service client pour leur montrer ce qui se passe. Et puis je vous reprends tout de suite. Là, le truc se disloque littéralement. Bon, après, les produits de cheveux, c'est toujours un petit peu plus lourd que la moyenne, mais tout de même. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a tout. J'ai l'impression qu'il y a tout. J'espère. Je vais revérifier par rapport à ma commande. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout. Alors, je vous explique un petit peu vite fait. Hein. Je ne vais pas en faire des caisses. De toute façon, je veux tester quoi qu'il arrive avant. Mais j'ai voulu tester déjà leur gamme par rapport au cuir chevelu. Parce que en ce moment, j'ai le cuir chevelu hyper, hyper sensible, hyper irrité. J'ai des petites pellicules alors que j'ai jamais eu de pellicule de ma vie. Je crois, franchement, je n'ai pas de souvenir. Ou alors. Ultra rarement, et du coup je ne sais pas gérer et je ne savais pas du tout quoi mettre sur mes cheveux, donc j'ai pris leur gamme Refresh Me, je crois que ça doit être ça. Voilà, j'ai sorti en tout cas toute la gamme pour le cuir chevelu. Alors voilà, il y a carrément une espèce de sérum ou d'huile. Là, il y a un produit plus spécifiquement à mettre au niveau des racines. Donc le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Ça a l'air très chouette. Les compos sont vachement bien. De toute façon, vous le savez. Depuis des années, moi, je ne mets plus que des shampoings naturels, en tout cas avec une compo sans silicone, etc., sur mes cheveux. Et mes cheveux s'en portent vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup mieux.
Et bon, là, j'ai un petit problème de cuir chevelu, mais en même temps, bon, je fais mes couleurs à la maison depuis un an quasiment, avec le Covid, etc. Donc, je sais pas, peut-être que. Pourtant, je prends des colorations sans ammoniaque. Mais bon, je ne sais pas. Et puis, bon, je suis un petit peu stressée, comme beaucoup de monde, un peu angoissée, un peu tout ce que vous voulez. Donc, je pense que ça fait pas forcément beaucoup de bien aux cheveux. Donc là, comme vous le voyez, je ne suis absolument pas encore maquillée ni quoi que ce soit. Vous me connaissez, en général, le matin, c'est rare. Donc je vais aller terminer mon article et je vous reprends dans la foulée. Hello! Vendredi 12 mars, j'ai eu une semaine vraiment ultra chargée à faire des trucs vraiment très chiants, donc à ne pas pouvoir filmer, alors que j'aurais bien voulu vous montrer plein de trucs, mais là j'ai vraiment pas pu, c'est chiant. En fait, vlogger c'est cool parce que c'est agréable, on a envie de montrer plein de choses du coup aux gens qui regardent les vlogs. Et du coup, quand on n'arrive pas à le faire, c'est ultra frustrant, c'est chiant. Donc là, semaine où j'ai quasiment pas pu vlogger, donc je vais essayer de me rattraper un petit peu aujourd'hui. Enfin, on va voir ce que ça va donner. Là, super glamour. J'attends, enfin glamour ou pas du tout, enfin quoi que ce soit. Là, en fait, j'attends le chauffagiste parce qu'on a notre chaudière qui fuit depuis quelques jours, on ne sait pas pourquoi, donc ça fait vraiment, je pense que ça va être une très bonne nouvelle. Donc j'attends le chauffagiste, il devrait pas tarder, il devait passer dans la matinée, il est déjà presque 10h ou 10h, je sais pas. Moi je suis réveillée depuis, bref, largement avant 7h. Donc j'attends le chauffagiste, donc je vais m'installer sur la table de la salle à manger pour travailler. Et continuer à travailler parce que j'ai commencé dans mon lit, hein, parce que enfin, dans mon lit, j'avais des publis Instagram à faire pour moi et pour les pains vagabonds. Il fallait que je mette en ligne mon article, donc ma sélection déco que j'ai terminée hier soir et que j'ai pu mettre en ligne enfin ce matin. Avec des chouettes trucs d'ailleurs, ça me donne envie de. Il y a deux trucs que j'ai vachement envie de m'acheter, mais bon, c'est pas le moment. Bref, j'ai passé une commande hier sur la Redoute. Je me suis repris un jean Levi's, un nouveau qui a l'air vachement bien. J'espère qu'il sera cool. Et je me suis commandé un petit bureau, un petit truc comme ça, pour essayer de me faire ma petite installation pour filmer mes vidéos enfin. Donc, c'est censé arriver la semaine prochaine. Alors, ça, j'ai vraiment très très hâte. D'ailleurs, semaine prochaine, mon mec est en vacances pendant une semaine, donc pour vlogger, ça va être sympa. Vous savez très bien que j'adore vlogger quand il est là. Non. Bref, on verra bien, je me débrouillerai en tout cas, on va voir. Peut-être que je me détendrai un petit peu du string aussi. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mes parents rentrent. Ça fait plus de 2 mois qu'ils sont pas là. Et voilà, donc je sais pas si c'est moi qui vais aller les chercher à la gare. Voilà en gros ce qui se passe. Hein. Voilà ce qui se passe. J'aimerais pouvoir filmer une vidéo aussi aujourd'hui. Voilà, et ben à plus tard. Alors, il est presque 14h. J'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. J'ai eu pas mal de colis cette semaine, donc je vais vous faire tout de suite un petit unboxing, comme ça c'est fait et je vais pouvoir m'occuper de tout ça, me ranger, de mettre dans les trucs à tester, etc. Et comme j'aime bien vous montrer quand même, c'est bien les petits unboxings en vlog, je trouve, moi j'aime bien les regarder. Et puis comme ça permet de vous partager un petit peu ce que j'achète, ce que je commande, ce que vous allez voir dans les prochaines vidéos, ce que les marques m'envoient, sans déballage, hein, évidemment, c'est une grande chance de pouvoir recevoir des produits, mais le but c'est pas du tout de se la péter ou quoi que ce soit, bien au contraire, c'est juste de vous montrer les choses que j'ai pu recevoir et vous demander
Ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à chaque fois s'il y a des produits particuliers que vous voulez voir en action dans les prochaines vidéos, dans les prochains vlogs, sur le blog. Enfin, vraiment, dites-moi. Moi, c'est fait pour ça. Hein, c'est pas fait pour autre chose. Alors, attention. On va commencer par un très, très, très joli colis que j'ai reçu de la part de Givenchy. J'étais vraiment super contente parce que c'est la deuxième fois en quelques mois là qui m'envoient leurs produits. Avant j'étais pas du tout sur leur PR list, mais là j'y suis. Donc franchement ça fait hyper plaisir, et surtout pour ça, le nouveau fond de teint Prisme Libre que je voulais tester depuis sa sortie. Il est sorti il y a peut-être un petit peu moins de 2 mois, je sais plus exactement. Je voulais absolument me le commander, je n'avais aucune idée de la couleur que je pouvais prendre, c'est ça qui m'embêtait le plus. Et je l'ai mis 10 fois dans mon panier, je l'avais encore récemment là. Je l'avais dans mon panier Notino et mon panier Origine. Je savais pas du tout quelle couleur prendre, j'avais peur de me planter, donc j'avais jamais validé encore. Et là du coup je l'ai reçu, donc je suis super contente. C'est donc le nouveau fond de teint de chez Givenchy, le Prisme Libre Skin Caring Glow. Alors, je l'ai reçu dans la teinte. Qu'est-ce qui est écrit? C105. Donc, j'arrive pas à faire le focus. C'est pas grave. C105. J'espère que ce sera ma couleur. J'en suis pas sûre parce que, en général, j'ai plutôt un sous-ton neutre, voire chaud. Et ça a l'air d'être un sous-ton froid. Mais la couleur a l'air pas mal. Alors, moi, elle change. Elle est beaucoup plus rose en vrai que ce que vous voyez là à l'écran, mais en tout cas je vais le tester, c'est obligé, et puis s'il faut ben je le rachèterai dans la bonne couleur. J'ai reçu également un masque, l'Intemporel Blossom, donc c'est un masque booster d'éclat, donc ça c'est super. J'ai jamais testé les produits de soins Givenchy, donc je suis super contente. J'ai reçu également la nouvelle poudre Prisme Libre, donc la Prisme Libre, c'est leur poudre iconique qui est composée de 4 poudres de couleurs différentes pour donner une parfaite combinaison de couleurs pour corriger le teint. Donc je l'ai reçu dans la couleur. J'arriverai pas à faire le focus. Est-ce qu'on voit la couleur ici? Est-ce qu'on voit la couleur? Je ne crois pas. Je sais plus où on voit la couleur. Bref, je crois que j'ai la couleur numéro 01. Je vais peut-être regarder sur la boîte, ce sera beaucoup plus simple. Mousseline pastel. Donc, trop contente aussi. J'avais reçu l'édition limitée de Noël, qui est une splendeur dont je vous ai parlé plusieurs fois et que je vous ai montré en application. C'est vraiment elle est magnifique cette poudre. Je pense que vous la connaissez, mais moi je ne l'utilise que depuis quelques mois. Elle est vraiment très belle. Et j'ai reçu le petit pinceau Kabuki rétractable qui va avec, qui est trop beau, que je vais jamais réussir à faire d'une main, mais voilà. En tout cas, vous voyez, avec les 4 couleurs qu'il y a dans la poudre Prisme Libre, eh ben ils ont fait un petit pinceau. Donc normalement, je sais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. À une main, c'est compliqué, hein. Donc vous pouvez remonter ça, voilà, puis le remballer dans son petit. Dans son petit emballage. Voilà. Donc, très très bien. Et j'ai reçu enfin le rose perfecto. Le rose perfecto liquid balm. Donc c'est un baume. Un baume hydratant coloré. Et la couleur, c'est le numéro 23 Solar Pink. Donc ça c'est pareil, tout à fait le genre de produit que j'adore, les baumes colorés comme ça. Le packaging est juste canonissime, j'adore, sublime. Donc voilà, ben, merci beaucoup Chloé pour ce super envoi. Donc là je vais le tester, le fond de teint. Je me suis pas encore maquillée, hein. Donc je voulais absolument le tester, donc je vais le tester tout de suite. Bon, pas compliqué, je termine mon petit unboxing et je vais le tester. Voilà, ensuite je vais vous montrer le reste. Alors ensuite, j'ai fait une petite commande Glossier. Il y a déjà un produit qui n'est plus chez moi, que j'ai déjà offert à sa destinataire, n'est-ce pas? Aka, Saskia. Son anniversaire, c'est lundi. Et moi, je lui ai déjà offert ses cadeaux parce que je ne pouvais pas attendre. Donc en gros, dans ses cadeaux, il y avait deux choses. En premier, il y avait un blush
paint. Brush paint, hein, c'est ça? Les cloud paint, qu'est-ce que je raconte? Il y avait un cloud paint de chez Glossier, donc les fameux petits gloss en petits tubes comme des tubes de gouache. J'ai pris la couleur Dusk, je crois, c'est mon cloud paint préféré. Et je me suis repris un lash slick, donc un mascara en backup. Je me suis repris en backup un boy brow, c'est vraiment mon mascara à sourcils absolument préféré. Je vous l'ai déjà montré mille fois. Et je n'ai pas pu résister à leur petite nouveauté. Alors, savez-vous ce qui se cache dans cette petite pochette? Celles qui suivent les activités de Glossier le savent déjà. Et vous vous doutiez que j'allais craquer. Évidemment, j'ai craqué sur leur trousse. Pourquoi il y a un petit cheveu qui se balade là? Je ne sais pas. Oh, ça m'énerve. Un cheveu ou c'est un poil? Encore une fois, un poil de chat, comme d'hab. N'est-ce pas, mademoiselle? Hein? Est-ce que je vous embête un petit peu? Est-ce que je vous embête, mademoiselle? Oui. Bref. Donc, Glossier a sorti une petite trousse de toilette qui est trop belle! Comment vouliez-vous qu'en fan de devant l'éternel de cette marque, je ne saute pas sur l'occasion? Donc, le jour de sa sortie, je l'ai commandé. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, c'est une jolie petite trousse avec, vous voyez, une petite poche à zip devant. Je vais ouvrir le zip un petit peu à l'arrache. Tiens, mon appareil photo, je ne sais comment. Et à l'intérieur, vous avez une poche comme ceci qui est que vous pouvez enlever avec des petits compartiments pour ranger vos produits. Et si vous avez envie de, ben voilà, si vous avez envie de ne pas avoir de compartiment, juste la petite poche là, et ben vous pouvez enlever. Il y a une petite pression ici. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a une petite pression ici, vous pouvez l'enlever et mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez même vous en servir comme sac, en espèce de pochette pour les die-hard fans comme moi. Et voilà, voilà le beauty bag de chez Glossier. Je le trouve super joli. Donc le fameux Millennial Pink de Glossier qui ressort vachement plus beige. Là, ça m'énerve. Mais en vrai, c'est le vrai petit rose pâle de Glossier. Voilà, c'est vraiment un super bel objet, j'adore, et évidemment je n'ai pas pu résister à cette chose là. Hâte de pouvoir m'en servir en dehors de la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, c'est pas pour demain la veille a priori, donc voilà. Ensuite, bon, alors j'ai mis tout ça dans le carton Glossier parce que j'ai complètement défoncé mon carton Beauty Bay, mais j'ai reçu de la part de Beauty Bay plein de trucs de chez Sample Beauty. Donc Sample Beauty, c'est une marque que je veux tester depuis super longtemps sur Beauty Bay et je m'étais toujours pas lancée parce que comme d'habitude, il y a toujours autre chose à acheter. Donc là, j'ai reçu énormément, j'ai reçu je crois 7 pigments. Ce sont des pigments libres. Voilà, donc de 7 couleurs différentes. Donc trop bien. Donc ça, j'ai vraiment ultra hâte de tester parce que je suis pas du tout je suis pas du tout une experte là-dedans, donc voilà. Voilà, les 7, je vous montrerai ça correctement plus tard, parce que comme c'est complètement volatile, j'ai peur de faire une boucherie, donc vu que j'ai déjà fait une petite boucherie hier quand j'ai reçu. Bref, j'ai reçu également de chez Sample Beauty ce truc-là, Multi-Use Setting Liquid. Apparemment, ça peut servir de spray fixateur, et on peut aussi s'en servir pour liquéfier les fards et s'en servir en fard liquide en fait, enfin, les pigments. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai jamais testé, je ferai ça et je vous en reparlerai, mais voilà. Et j'ai reçu enfin deux palettes, toujours de chez Sample Beauty, la Rain Palette, qui est une splendeur de palette chaude, avec des tons, voilà, des marrons, des beiges, des rouilles, des dorés. Enfin, c'est vraiment une très très jolie palette. Donc Sample Beauty, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque qui n'est pas chère du tout. Donc et apparemment avec un rapport qualité-prix assez dingue. Donc ça, j'étais très contente. Et alors celle-là, pareil, j'ai envie de la commander depuis ultra longtemps. Et c'est la Equalizer Palette Volume 2. Je vais vous montrer la beauté. C'est une palette qui est aimantée, du coup j'ai du mal à l'ouvrir d'une seule main, ça m'énerve!
Attendez, hop, voilà, on va enlever tout de suite le petit plastique qui est un grand miroir en plus. Coucou! Et là, vous voyez cette splendeur de palette. Et regardez-moi les fards. Non, mais allô, quoi. Trop, trop beau. Et je crois que cette palette, elle coûte genre une vingtaine d'euros. Je me demande si c'est pas 24 euros ou quelque chose comme ça, ou 27, je sais plus exactement. Et il paraît qu'elle est complètement dingue, que le rapport qualité-prix est exceptionnel. Toutes celles qui la possèdent, que je connais, ne m'en ont dit que du bien. Donc c'est pareil, j'ai ultra hâte de la tester. Elle est trop belle. Il y a tout, hein. Il y a aussi bien des neutres, chauds et froids, des dorés, des roses, des violets, des oranges, jaunes. C'est beaucoup trop belle. Donc voilà. Donc c'est là, Equalizer Palette Volume 2. Dites-moi hein, dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée. Mais je pense que je vais faire une vidéo dédiée à Sample Beauty parce que tant qu'à faire, hein, vu que j'ai reçu quand même pas mal de produits de la marque, je pense que je peux vous faire un petit focus si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai autre chose. Ah oui, moi, je vais vous montrer. Ben, je vais vous montrer ma commande Notino, tiens, que j'ai reçue tout à l'heure. Comme ça, c'est fait. Alors, la commande Notino. Alors, premièrement, un truc de ouf déjà. Donc, il y a Mac qui est arrivé sur le site de Notino. Donc, c'est pas ça le truc de ouf en particulier, mais en tout cas, c'est vachement cool. Donc, Mac est arrivé sur Notino. Donc, quand j'ai passé ma commande, j'ai voulu tester des choses de chez Mac. Et en fait, sur Notino, ça arrive super souvent qu'il y ait ce genre de truc. Pour 50 euros de commande sur la marque Mac, vous aviez ça offert et ça. Quand je vais vous montrer ce que c'est, au secours, c'est un truc que j'ai dans mon panier chez Mac depuis sa sortie, que j'ai failli prendre 400 fois et à chaque fois je me disais, mais non, sois raisonnable, tu n'en as pas vraiment besoin, tu en as envie, mais tu n'en auras pas forcément l'utilité. Enfin, l'utilité, bien sûr que si, mais je veux dire, tu en as déjà plein, 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 plein. Donc je l'ai eu dans mon panier depuis des mois et je validais jamais. Et quand j'ai vu qu'il l'offrait pour 50 euros d'achat, alors que la palette que je vais vous montrer en fait 40, si je me souviens bien, 39 euros ou 40, je ne sais plus. Ça valait un tout petit peu le coup. Donc voilà. Alors la palette, je vais l'ouvrir. Mais en gros, c'est ça quoi. C'est le trio d'enlumineurs qu'ils ont sorti pour les fêtes. Donc c'est le Flashing Ice Extra Dimension Skin Finish Trio. Donc c'est dans la teinte light. Elle existe en teinte dark aussi. Enfin, en tout cas en teinte plus foncée. Et mon Dieu, ce que j'ai eu envie de cette palette. Et je l'ai eu bah, gratuitement avec ma commande. Donc bon, merci Mac, merci Notino, surtout qui fait toujours des cadeaux de ouf. C'est pas la première fois. Souvent dans les marques d'ailleurs qui viennent de débarquer chez eux, ils font un petit peu des cadeaux super intéressants pour inciter les gens évidemment à commander cette marque. Donc voilà comment elle se présente. Et puis à l'intérieur, non mais. Ok! Donc voilà, trois highlighters, un rosé, un doré et un plutôt blanc. C'est juste trop beau. Je suis beaucoup trop contente. Non, ça, c'est juste le cadeau en fait. Ça, c'est même pas ma commande. Ça, c'est le cadeau avec ma commande. Donc, inutile de vous dire que je vais tester ça dans la foulée. Et donc, pour avoir ceci, j'ai commandé. Donc, j'ai repris un. Attendez, j'ai pas de lumière là. Je sais pas comment je suis. J'ai repris un Glow Play Blush. Vous savez que ces blushs de chez MAC qui sont sortis l'année dernière, je les adore. J'en avais déjà un couleur corail. Et là, j'ai choisi la teinte Blush Please. Donc la couleur, voilà, c'est une espèce de rose, de vieux rose. Hop, est-ce qu'on va y arriver? Bon, ça part pas. Non, là, je vais vous montrer avec le plastique, tant pis. Voilà, voilà la petite beauté du truc. J'ai envie de l'enlever, mais j'ai peur de mettre mes ongles dedans. Ah, voilà. Voilà, Géraldine. À une main, c'est compliqué. Hein. Alors, regardez-moi cette petite beauté. J'ai trop hâte. Trop hâte de le tester. Le packaging transparent, j'adore. Voilà, donc
Ça, c'est la première chose que j'ai prise de chez MAC. Et ensuite, j'ai pris... Alors là, c'est pareil, c'était un super bon plan. Donc du coup, je me suis lancée sur ce truc-là. J'ai pris une Mineralize Skin Finish. Donc c'est une poudre de finition normalement. Et en fait, il y avait une couleur qui était soldée sur le site de Notino, donc qui était à 25 euros, je crois, au lieu de 35 ou 40, je sais plus. Et c'était la couleur Medium Tan. Et du coup, je me suis dit que ça ferait certainement un très très joli bronzer pour moi. Et j'ai l'impression que c'est carrément le cas. Donc le packaging, c'est celui-ci. Et je vais essayer de l'ouvrir d'une main. J'espère que je vais pas faire de bouche. Que c'est aimanté, je crois. Voilà, voilà. Il y a toujours le truc en plastique qui veut pas se barrer. Si, et regardez-moi la couleur. Donc là, c'est pareil. Ça fait vachement plus jaune qu'en vrai. C'est dégueulasse cette lumière. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Voilà la petite merveille. Et je me dis que ça fera très certainement un joli bronzer. Donc j'espère que je me suis pas plantée dans le... parce qu'il est quand même pas très très foncé. Mais du coup, ça me fait penser à certains bronzers clairs que j'ai. Donc on verra bien ce que ça donne, j'essayerai ça. Et puis si la couleur ça va pas, bah, tant pis, hein, je le donnerai à quelqu'un qui pourra s'en servir. Hein. Advienne que pourra. Ensuite, j'ai commandé ceci. Le Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder. Donc c'est un fond de teint hydratant. SPF 45, ça faisait des mois et des mois que je voulais le tester. Et là, j'ai vu qu'il l'avait sur Notino, donc je me suis lancée. J'ai la teinte 1N2. Normalement, ça c'est ma teinte chez Estée Lauder. Donc je pense que ça devrait aller. Je ne l'ai pas encore ouvert, hein, bien sûr. J'en ai juste de le recevoir. Une main, c'est l'enfer, comme d'habitude. Voilà. Voilà le packaging. Donc, bon, très hâte de le tester. Fond de teint hydratant. SPF 45, moi je dis je suis déjà embarquée. Ça me fait un petit peu penser dans l'esprit, dans l'idée en tout cas, à la CC Crème Illumination de chez It Cosmetics, vu qu'il y a aussi un SPF élevé. Je verrai bien ce que ça donne, ça c'est pareil, j'ai hâte de le tester. Je vais quand même commencer par le Givenchy aujourd'hui, mais celui-là je me le teste demain, je pense, parce que j'ai vraiment ultra hâte. Et dernière chose que j'ai prise dans ma commande, c'est un truc que j'ai vu passer à plusieurs endroits, que j'avais très envie de tester. C'est une nouveauté de chez Révolution Pro. Et c'est le Eye Lustre dans la teinte Brass. Donc c'est un... C'est fermé, merde. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir d'une main. Ça m'étonnerait. Ah, décidément, hein. Allez. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Donc c'est une ombre crème métallisée a priori. On va voir ce que ça donne. À ouvrir à une main, c'est vraiment un enfer. La prochaine fois, je sortirai tout à l'avance, je suis désolée. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc moi direct, ça me fait penser aux ombres du même style, les Hourglass et les Tartes. Voilà, et on va voir ce que ça donne quand je l'ouvre. Bon, j'ai réussi à d'une main. Donc là, je découvre vraiment en live avec vous. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ces couleurs... c'est une espèce de rose gold, j'ai l'impression. Attendez, je vais quand même essayer de le swatcher. Mais alors, c'est très... Ouh là là. C'est très crémeux. C'est presque mousseux. Et attendez, je vais poser ça une seconde et je reviens, je vais vous le swatcher. Alors, regardez ça. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? C'est compliqué à... J'arrive pas à faire le focus. Voilà. Donc c'est vraiment, ouais, c'est une base rose avec des glitters dorés dessus. C'est un rose gold. C'est vraiment un rose gold. C'est super joli, la texture est très 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 douce. C'est comme une espèce de mousse. C'est un petit peu mousseux, crémeux. Super agréable, pas gras. C'est très joli. On va voir ce que ça donne sur les paupières. Voilà, voilà. Donc c'est tout
pour mes petites réceptions, je crois. Et puis moi, je vais aller tester le fond de teint Givenchy et je vous dirai ce qu'il en est juste après, si je peux. À tout à l'heure. Et voilà mon make-up du jour. Je suis plutôt contente, j'avoue. J'ai testé plein de nouveaux trucs. Je voulais pas filmer, mais si ça vous intéresse, je vous le filmerai. J'ai donc testé le fond de teint Givenchy. C'est bien ce que je pensais. Il est un petit peu rose pour moi, mais je vais réussir à le faire fonctionner. J'ai réussi à le faire fonctionner en le mélangeant avec bronzer, blush, etc. Je pense que ça va le faire quand même. Il est très 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 joli sur la peau. Ça fait un très joli teint. Franchement, pour l'instant, il est super bien. Je vous en dirai des nouvelles dans plusieurs jours quand j'aurai continué à le tester. Mais pour l'instant, il est vraiment super. J'ai testé le Mineralize Skin Finish de MAC en bronzer. Ça le fait plutôt pas trop mal. C'est un poil chaud, mais ça va, franchement ça va. Vu qu'il est assez clair, ça fait le job. Bon ben les Glow Play Blush, ils sont merveilleux. Donc la nouvelle teinte là que j'ai commandée, elle est vraiment vraiment top. J'ai testé quelques fards de ma palette Lethal Cosmetics. Alors ça c'est sûr, je vous ferai une vidéo. J'adore, les fards sont ouf. Et j'ai encore mal aux paupières, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin, c'est vraiment dans le creux de paupières, j'arrive pas à faire guérir ça correctement. Ça va, c'est pas non plus l'enfer, mais je sens que ça me brûle un petit peu. Donc je vais essayer de trouver la crème Bioderma que plusieurs personnes m'ont conseillée, dont Sonia, la toute première à m'en parler, et Kate ensuite. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée en pharmacie, j'en ai fait plusieurs, je n'ai pas trouvé, mais je continue ma quête, et voilà. Parce que là, c'est juste pas possible. J'ai retesté le mascara Benefit que je trouve vraiment très chouette. Franchement, il fait des très jolis cils. Et j'ai mis sur la bouche le Perfecto Lip Balm, je sais plus exactement comment il s'appelle, de chez Givenchy, qui est super joli. C'est un beau petit corail. C'est hyper hydratant, c'est très agréable sur la bouche. Donc voilà, ben j'ai terminé. Donc pour maintenant, je ne sais pas si je vous reprendrai plus tard. Là, il y a mes parents qui vont arriver, donc je vais essayer d'aller les voir. Hein. Ça fait quand même 2 mois que je ne les ai pas vus, donc je vais aller les gonfler en live. Parce que je les ai gonflés tous les jours au téléphone, hein, soyons clairs. Mais je vais aller les gonfler un petit peu en live parce que c'est quand même pas pareil. Bon, et ben écoutez, hein. À plus tard! Hello! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le lundi 22 mars, je crois. Ça fait, je pense que ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas filmé. Donc le weekly vlog, tu repasseras, hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit sur ma dernière vidéo que j'ai postée vendredi, je crois. Déjà, il s'est passé pas mal de trucs. Mon mec, en plus, a été en vacances pendant une semaine. Franchement, quand il est là, c'est pas pareil de vlogger. Hein. Moi, on a un rythme qui est complètement différent. On fait des choses différentes, et puis il est là tout le temps. Et puis, moi, je suis quand même nettement plus à l'aise quand je suis toute seule. Voilà, c'est comme ça. Pour me filmer, en général, je suis beaucoup plus à l'aise toute seule. Voilà. Et puis en plus, j'avais toujours mon problème de paupières hein, qui commence à aller beaucoup beaucoup mieux. J'ai quasiment plus rien, mais c'est pareil. Je voulais vous filmer les 7 jours, 7 make-up avec cette palette, avec mes paupières défoncées. C'était juste pas possible. C'était ultra laid, évidemment. Donc je pense que je vais m'y mettre dès aujourd'hui. Je vais commencer mon premier make-up avec une première palette. Ce sera pas mal. Et puis voilà, sinon ben j'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement, morale correcte. J'essaye de pas trop penser à ce qui se passe dehors, n'est-ce pas? Mais sinon, morale correcte. J'ai du boulot, faut que je m'y mette. Là, il est 9h, je crois. Je suis levée depuis 6h30, voilà. C'est tout. Je ne sais plus trop quoi vous raconter maintenant. Là, je vais essayer de poster sur mon blog et ensuite je vous reprendrai un petit peu plus tard. À tout à l'heure!
Alors, je n'avais pas l'intention de vous filmer d'unboxing et j'ai ouvert et je suis tombée là-dessus. Je me suis dit que c'était beaucoup trop beau pour ne pas l'immortaliser. Alors, je pense savoir ce que c'est, mais alors, rien que emballé dans un foulard de chez Marie Sixtine. Excusez-moi, mais plus beau, c'est possible? Non. J'adore, regardez-moi ça, la beauté de ce foulard. Donc ça déjà, rien que pour ça, je suis déjà aux anges. Mais je pense que c'est la nouvelle gamme de l'Occitane de shampoing solide. Déjà, ça sent hyper bon. Donc je savais que j'allais les recevoir, donc je pense que c'est ça. Oui, c'est TG Communication qui me l'a envoyé. Donc on va découvrir ça ensemble tout de suite. Bon allez. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. N'a rien abîmé. Oh là là. Bon, je sais même plus quoi dire avec les envois TG Communication. C'est toujours bon. Alors là, on a... Vous pouvez pas me prendre plus par les sentiments que de m'envoyer du granola de chez Walden The Moon. Non, mais sérieusement, les gars. Mais c'est sublime. Moi, j'ai envie de mourir. Bon. Alors ça, le granola, c'est à peu près ce que je préfère au monde. Donc, voilà. Donc là, déjà, je suis en PLS d'amour. La fille qui rajoute pas des caisses. Non, mais vraiment, je suis hyper contente. J'aime trop. Et là, je vois qu'il y a en plus une brosse à cheveux. Non mais bon, on va ouvrir ça. Je vais regarder tout de suite et c'est bien ce que je pense. Ah d'accord, en plus il y a une matcha bar. Ok, toujours Wild and the Moon. Ok, ça me donne envie de pleurer tellement ça me manque d'aller à Paris, de faire mes petits tours chez Wild and the Moon. Bref, bref, bref. Et là, ce sont les nouveaux shampoings solides de l'Occitane. Alors nous avons donc shampoing solide, shampoing solide réparation intense. Voilà, je vous dirai après. On a équilibre et douceur et on a fraîcheur purifiante. Bon ben voilà, hein. J'ai hâte de tester comme d'habitude, comme d'habitude. Et donc on a le petit mot qui accompagne, le petit communiqué de presse. Donc a priori c'est 12 euros pièce. Ça sent ultra bon parce que là j'ai l'odeur dans le nez, je vous explique même pas. Et ben je vous en reparlerai quand j'aurai testé, mais regardez-moi le visuel du. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Merci, merci, merci encore une fois pour cet envoi merveilleux. Ce foulard qui est magnifique, les petites gourmandises de chez Wild and the Moon, ça je vous explique pas. Et alors la brosse à cheveux, attendez, je vais essayer d'ouvrir comme ça. Si j'y arrive, ça va être compliqué. Attendez, voilà, oh. Voilà. Bon, ben, elle est trop belle, elle est trop belle. Elle est super belle. Alors c'est quoi ça? Bashka. Démêlage, cheveux épais, bouclés ou regret sans vite. Elle est magnifique. Bon ben merci. Hein. Merci, merci, merci pour ce super super envoi presse comme d'habitude. Et surtout les nouveautés l'Occitane que j'ai très très hâte de tester. Voilà. On en reparle très vite. Bon, je me dis que je ne suis toujours pas maquillée. Je voulais faire la première séquence de mon 7 jours, 7 palettes, 7 make-up. Et finalement, je me dis que je vais faire un petit Get Ready With Me avec des produits que je vous ai encore jamais montrés, que je vais inclure à ce vlog, histoire de pouvoir le conclure et repartir sur un autre ensuite, parce que il s'étale sur une si longue période, presque 2 semaines, hein. Clairement, ouais, quasiment 2 semaines. Donc je me dis que c'est le moment de le clôturer. Donc j'essaye de rajouter un petit contenu un peu sympa
avec du make-up, etc. Et puis comme ça, on repartira sur un nouveau vlog dès demain. Donc, je vais installer ma caméra et je vais vous filmer un petit Get Ready With Me avec des choses que je vous ai jamais montrées. À tout de suite. Voilà, donc je dois filmer et regarder sur qui je tombe. Alors depuis que j'ai installé mon petit bureau là, j'ai mis une espèce de petite nappe dessus pour pas l'abîmer tant que c'est pas installé correctement. Et bien du coup, c'est devenu le lit de Bissy qui est systématiquement toute la journée dessus, qui a trouvé un nouveau spot et qui est plutôt pas mal. Donc voilà, je voudrais essayer de faire ma petite vidéo, ben, ça va être compliqué. Il va falloir composer avec elle. Bon, bah écoutez, on va voir, hein. Merci, Bisti. Bon, alors, il va falloir composer avec cette petite chose qui est ici, hein, devant moi. Je vais essayer de me maquiller avec elle. De toute façon, c'est un petit format vlog, donc c'est pas dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, du coup, je vais vous montrer à la caméra certaines des choses que je m'étais commandées sur Notino. Alors, le futuriste Hydra Rescue de chez Estée Lauder, qui est vachement bien. En termes d'anti-cerne, ce sera un truc que vous avez déjà vu, l'infaillible de chez L'Oréal. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Eh bien, je vais vous montrer du coup le Mineralize Skin Finished en Medium Tan, que j'utilise donc en bronzer de chez MAC. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Le Glow Play Blush en teinte Blush Please. Donc tout ça, ça fait partie de ma commande Notino du mois. Donc voilà, comme ça je vous montre en application. Comme c'est pas vraiment des nouveautés, je me dis que peut-être ça vous intéresse moins en vidéo toute seule. Du coup, je le cale dans le vlog. Ça nous fait un petit Get Ready With Me. Pardon. Où je discute et puis voilà. Donc autre nouveauté qui n'en est pas une non plus, qui était sortie pour Noël. La fameuse palette de chez MAC que je vous ai montrée dans l'unboxing avec les trois highlighters. Donc je vais vous montrer ça aussi en application. Quoi d'autre? On va retester le Sky High de chez Maybelline. Et du coup en palette, pareil, je me suis dit que j'allais utiliser une palette que j'avais jamais utilisée et que je n'aurais peut-être pas, à laquelle je n'aurais peut-être pas dédié de vidéo, mais qui a l'air très très belle. C'est la Rain palette de chez Sample Beauty. Voilà, avec ses belles couleurs chaudes. Donc on va utiliser tout ça. Et puis sur la bouche, un petit peu de Catrice, un petit peu de Pat McGrath. Donc on mélange du très très peu cher avec du beaucoup plus cher. Et puis voilà, et puis on va se prendre une petite gorgée de thé. Et puis on va s'y mettre parce que là vraiment c'est quand même pas la fête du slibard. Hein. Dis donc Bissy, je crois que c'est le moment de te gratter. Elle m'envoie des poils partout en plus. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué là, mais on va faire ce qu'on peut. Je vais essayer de peut-être me zoomer un petit peu. Histoire de. Vous voyez peut-être un petit peu mieux ce que je fais. Alors, eh ben, on va commencer évidemment avec le teint. Donc, je vais utiliser le Futuriste Hydra Rescue. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? J'enlève mes bagues, ce sera mieux. Donc, fond de teint hydratant SPF 45. Donc, moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment penser au CC Crème It Cosmetics. Déjà dans le packaging. Et puis, le fait que ce soit. Voilà. Un SPF 45. Ok. Donc voilà. Donc il faut bien le secouer apparemment. Je sais pas pourquoi. Parce que dans un tube, c'est assez compliqué. Misty. Mademoiselle. Ça va mon bébé? Maman, elle secoue le fond de teint. Voilà. Et puis, ben, c'est un petit flacon pompe, pareil. On va l'appliquer directement comme ça. Et je vais. Hop. Je vais en mettre déjà un petit peu comme ça. C'est un peu liquide. Donc, j'ai le 1N2 comme,
comme mon coloris de l'autre fond de teint hyper connu de chez Estée Lauder. Évidemment, j'ai un trou de mémoire hein, parce que là, vraiment, c'est l'enfer. Donc voilà, donc je l'ai mis comme ça et je vais l'appliquer avec évidemment mon It Cosmetics numéro 7. Et je vais déjà commencer par en mettre vraiment un tout petit peu. C'est un peu. C'est censé être ma couleur chez Estée Lauder. Je le trouve un petit peu. Un poil neutre quand même. Un poil trop neutre, je vais dire. Mais ça va. Je vais rapprocher un peu mon miroir parce que là, avec la petite qui se met devant, etc. Alors, c'est un très joli fond de teint qui a une couvrance moyenne qu'on peut vraiment construire. Là, j'en ai mis un tout petit peu. Donc vraiment, là, c'est ça a unifié mon teint. Ça a un rendu très velouté sur la peau. C'est très joli. Il est vraiment très chouette. Regardez, ça fait vraiment un joli teint. Alors, j'en ai vraiment mis une micro-pompe. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu, histoire de bien vous montrer à quel point on peut le construire quand même. J'en ai remis une mini-pompe. Mais c'est vraiment un beau produit qui s'étale bien. Qui a un très joli rendu sur la peau. Je l'aime vraiment bien. Je ne l'ai pas utilisé encore des masses. 4 ou 5 fois pour l'instant seulement. Parce que je ne l'ai pas reçu il y a longtemps et que voilà. Mais regardez comme il est. Hein. Il a vraiment un très beau rendu. Il est hydratant. Mais il n'a pas un effet gras du tout. Hein. C'est vraiment un joli rendu. J'aime bien. Donc voilà. Je le trouve très beau. C'est un beau produit. Je suis contente d'avoir testé. Ça faisait quelques mois qui me tentait bien. Et puis bon, j'avais plein. J'ai tellement de fond de teint que bon, il faut être raisonnable. Et puis là, avec ma petite commande Notino du mois, je me suis dit, allez, lance-toi. Je crois que c'est Mimi qui l'a testé aussi il n'y a pas longtemps, qui l'aime bien. Je le trouve vraiment. Regardez la peau, que ça, c'est trop. Il est hyper beau. Il est vraiment très beau. Voilà. Donc, on aime bien. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'infaillible Modern Concealer que j'ai là cette fois-ci dans la teinte 327 Cachemire. Je vais en mettre un petit peu. Hop. Voilà, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est vraiment un anti-cerne que j'utilise super souvent, que je trouve vraiment bien, qui tient bien, qui est couvrant, qui dessèche pas mon contour d'œil, qui est extrêmement efficace. Donc je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment bon. Je sais que vous êtes nombreuses à l'apprécier aussi. Ouais, il est vraiment cool. Hein. Je check en même temps. La lumière, non, comme d'hab, c'est pas ouf. Mais non, là j'aime bien. J'aime vraiment bien. J'aime bien le rendu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, ça. Vous voyez le teint que ça fait? Comme ça fait un joli teint de. Un joli teint super frais, super lumineux. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, il y a juste l'anti-cerne et le. J'allais dire, et le mascara. Waouh! Et le fond de teint. Vraiment cool. Alors, ensuite, on va réchauffer un petit peu tout ça, hein, bien sûr. Donc, on va passer au Mineralize Skin Finish que j'ai pris dans la teinte. Medium tan. Je me suis dit que cette couleur-là pouvait être un très joli bronzer. Donc voilà, donc je l'ai prise et il est super bien. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je le prends avec mon petit Luxe Sheer Cheek
de chez Zoeva, comme d'habitude. Et je vais l'appliquer. Ben, comme un bronzer, le rendu est super joli sur la peau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. De toute façon, j'adorais déjà cette poudre. À l'époque, je me souviens, c'est... vous allez tout savoir. C'est Hélène, de mon blog de filles, qui, il y a des années, m'avait offert certainement un produit qu'elle avait reçu de la part de MAC. Et c'était une Mineralize Skin Finish dans une édition limitée. Et j'avais adoré ce produit. Et c'est franchement un des seuls produits make-up que j'ai terminé, que j'ai complètement, vraiment, vous voyez le quadrillage en dessous, je l'avais complètement séché. Et j'ai toujours beaucoup aimé le rendu. Vous voyez sur la peau comme c'est beau? Ça a juste réchauffé comme il faut. Ça ne fait évidemment aucune trace, aucune tache. C'est super joli en bronzer. Je suis contente. Hein. C'est pas du tout une nouveauté, mais alors là, je trouve qu'utiliser comme ça, il est hyper beau. Donc merci Hélène de me l'avoir fait découvrir à l'époque. Hein. C'était il y a au moins 8 ans, 8-9 ans. Je ne sais plus exactement. Peut-être même plus. Et voilà. Donc j'ai mis la main là-dessus, pas cher du tout. Et je suis très contente. Ça m'a bien réchauffé le teint. C'est hyper joli. Ensuite, ce que je vais faire, je vais passer tout de suite à l'highlighter. Et je mettrai le blush par-dessus. Je vais faire la petite technique Wine Goss. Et donc je vais utiliser ce petit trio de chez MAC qui est sorti pour Noël. Qui est toujours disponible hein, sur le site de MAC, et qui est le Flashing Ice Extra Dimension Skin Finish Trio. Donc c'est trois poudres de lumière, c'est-à-dire trois highlighters. Et c'est dans la teinte Light. Voilà, donc je vais tout de suite aller chercher une batterie parce que évidemment je n'en ai plus, sinon ce serait trop beau. Et je reviens tout de suite. Me voici de retour. Alors, j'en étais où? Le trio d'highlighter. Voilà. Alors, il y en a un qui est un petit peu plus blanc, un qui est dans les tons un petit peu rosés et un dans les tons dorés. C'est une splendeur, cette palette. Donc, je l'ai eue gratuitement pour 50 euros d'achat MAC sur le site de Notino. J'ai fini par l'avoir. Je suis trop contente, elle est beaucoup trop belle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre évidemment mon petit pinceau chéri de chez Nabla. Et je vais aujourd'hui appliquer... Je vais mélanger... le doré avec le blanc. J'aime bien mélanger, il se mélange très très bien. Je vais pas utiliser celui-ci aujourd'hui que j'adore pourtant, mais comme ce que je vais mettre sur les yeux sera plus dans les tons chauds, je vais rester un petit peu là-dessus. Donc voilà, je mélange les deux et c'est parti. J'aime vraiment, vraiment, vraiment bien ces highlighters qu'on voit, mais qui restent très, très fins sur la peau. Je trouve ça absolument ravissant. J'adore. Vous avez vu? Vous avez vu ce glow là? Et je vous dis, c'est d'une finesse, mais alors, mais une merveille. Voilà. Ensuite, donc je passe au blush. Je vais donc appliquer le Glow Play Blush de chez MAC en teinte Blush Please. Donc c'est un rose qui a l'air beaucoup plus foncé comme ça qu'en vrai. Et je vais l'appliquer avec mon petit pinceau pâte de chien de chez Banila Co. Que j'adore. Donc... voilà, j'essaye de pas me maquiller pendant 3 heures là, vu que c'est un petit get ready with me rapide de vlog, j'essaye de pas trop vous tenir la jambe pendant 5 heures. Regardez-moi ce blush comme il est beau. Décidément cette nouvelle formulation de chez MAC là, qui est sortie l'année dernière. C'est vraiment une merveille. Je sens que je vais encore m'en prendre d'autres. Parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop jolis. Ça se travaille comme un rêve.
Regardez comme c'est en transparent, ça c'est trop beau. C'est pigmenté en même temps, ça se travaille super super bien. J'adore. J'adore les gars, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, pour les sourcils, comme d'habitude, je me prends pas la tête. En ce moment, je suis vraiment en mode glossier, boy brow, et c'est parti parce que je veux de la rapidité et de l'efficacité. Et franchement, il y a rarement mieux. Donc, voilà. Je mets juste un petit coup de. Voilà, un petit coup de brosse. Rapidos. Voilà. Franchement, ça fait parfaitement bien la blague, les gars. Hein. Je sais pas si vous avez déjà testé. Moi, ça reste vraiment un de mes favoris absolus. Rapide, efficace, tout ce que j'aime. Parce que franchement, faire mes sourcils, ça me gonfle. C'est vraiment pas un truc que je kiffe, je le fais parce que c'est mieux. Mais alors ça me gonfle. Si c'était une étape que je pouvais skipper, je le ferais. Hein. C'est vraiment pas. Je sais qu'il y en a qui ont une passion pour les sourcils. C'est génial, je suis ravie. Moi, la paresseuse que je suis, bah elle s'en passerait bien. Voilà. Bah, vraiment, j'ai fait un petit peu à l'arrache comme ça. Voilà. N'oublions pas que c'est un petit make-up que j'effectue. Il est déjà plus de 15 heures. Et que c'est pour plus ou moins rester à la maison parce que je vais ensuite aller faire une ou deux courses. J'ai besoin de litière et de PQ. C'est très intéressant. Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Et donc voilà. Donc j'ai peut-être pas trop en faire non plus, mais j'ai quand même bien envie de montrer. Et regardez ce. Non mais. Vous avez vu les produits teints comme ça se. Ah, Misty, les oiseaux? Alors, je vous disais, les produits teints. Ah, j'ai perdu un sourcil. Zut. Regardez-moi ce. Bah, moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore la fille qui s'auto-congratule. Bref. Bon, enfin, j'y suis pour rien. Ce sont les produits qui sont bons. Bref, les yeux. Sample Beauty. Donc, c'est une marque anglaise qui n'est absolument pas chère du tout. Et regardez-moi cette petite palette. Avec ces tons chauds, comme on aime, avec donc du mat et du lumineux. Il y a une majorité de mat, hein. Il n'y a que trois lumineux dans cette palette. Tout le reste, c'est du mat. Qu'est-ce que je vais me faire? Je vais faire un truc simple. Je vais commencer par mon creux de paupière. Déjà, je vais. Voilà, ça y est, j'ai une illumination. Je l'ai devant les yeux, mais je l'ai encore une fois oublié. Un petit peu de primer. Parce que bon, c'est quand même toujours mieux. Hein. La paresseuse que je suis a trop longtemps skippé cette étape. Hein. Alors que c'est quand même clairement mieux. Donc là, je vais très très rapidement. Donc c'est toujours mon eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Voilà. Histoire de. Et ensuite, donc dans la palette Sample Beauty, nous allons commencer par faire une petite transition avec la couleur Corgi ici, que je vais bien évidemment appliquer avec un 228 de chez Zoeva. Donc cette palette, je crois qu'elle coûte une dizaine d'euros, je crois, hein, si je me souviens bien. C'est vraiment pas cher du tout. Sample Beauty, c'est absolument pas cher. Et c'est assez dingue. Alors, je ne connaissais pas du tout. Enfin, j'avais jamais testé. Je connaissais de nom, puis je voyais sur Beauty Bay depuis longtemps. Et donc là, il y a le site qui m'a envoyé des produits de la marque à tester que j'ai choisi. Hein. Donc, j'ai choisi cette palette-là. J'ai choisi la Equalizer 2, je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Une grande palette de 30 fards avec des couleurs juste à tomber que je vous ai montré. Précédemment dans le blog et j'ai reçu pas mal de pigments libres aussi magnifiques hein.
Et donc, j'ai testé pour la première fois la palette Equalizer, là, l'autre, il y a 2 jours, je crois. Elle est dingue. Elle coûte une vingtaine d'euros. En plus, vous l'avez souvent en promo, etc. Elle coûte une vingtaine d'euros. Il y a 30 fards. Elle est absolument sublime. Donc ça, clairement, je vous referai une vidéo avec elle, parce que vraiment, elle vaut hyper le détour. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui la connaissent déjà, mais pour celles qui ne la connaissent pas, je vous la montre rapidement sur la chaîne, parce que franchement, elle est splendide et les fards sont dingues pour le prix. Vraiment un rapport qualité-prix comme on les adore. Voilà, donc là je me suis fait un petit creux de paupière rapide avec cette espèce de beige chaud. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Je sais même pas ce que je vais faire en fait. J'ai envie d'un truc ouais, chaud, mais chaud dans les marrons et dans les. Et dans. Ouais, on reste dans les marrons et dans les bronzes. J'ai pas envie d'aller trop dans le jaune ni trop dans le rouge. Je vais vraiment rester dans les marrons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un coin externe déjà avec Squire, qui est ici, qui est un petit peu plus foncé que celui que j'ai mis dans le creux de paupière. Je vais le prendre avec un pinceau numéro 225 de chez Zoeva. Et je vais me faire un petit coin externe. Je vais commencer à me faire un petit coin externe. Voilà. C'est bien, c'est pigmenté, ça se travaille bien. Les couleurs sont vachement belles. Voilà, donc je vais faire remonter toujours un petit peu dans le creux. Vous voyez? Et la même chose évidemment de l'autre côté. Voilà, donc petite palette que j'avais déjà failli acheter plusieurs fois aussi celle-ci. Hein. Il y a même un moment où sur Beauty Bay, je crois que pendant une période de solde, elle était genre à 8 euros ou un truc comme ça. Donc évidemment, je l'avais dans mon panier et en fait, les filles s'étaient jetées dessus. Et elle était ensuite sold out pendant plusieurs semaines. Et je l'avais toujours quand même dans un coin de ma tête. Donc quand Beauty Bay m'a proposé de m'envoyer des produits de la marque à tester, je l'ai mise tout de suite sur la liste. Et j'étais bien contente de la recevoir. Elle est vraiment, vraiment joli. Je reprends mon petit pinceau précédent. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Le blanc. Pour blender un petit peu tout ça. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec le doigt, je pense. Et j'ai envie de m'appliquer Majestic, qui est ici. Qui est un fard lumineux couleur un peu entre le un peu cuivré. Vous voyez un petit peu là l'histoire. Ben c'est beau ça hein, c'est beau là, c'est le genre de truc qu'on aime bien toujours hein. C'est facile les parts comme ça hein. C'est facile, ça fait tout de suite son petit effet. C'est magnifique, c'est très très beau. C'est très 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 beau, c'est facile en plus. Je reprends mon pinceau précédent et je blende un petit peu. Mais je fais un truc rapide, facile, qui va bien. L'autre côté. La même chose, toujours au doigt.
toute façon, les fards là, c'est vraiment des fards qui se travaillent toujours, toujours mieux au doigt. Hein. Enfin, c'est généralement quoi. Et là, ça ne fait pas exception. Mais le résultat est là et on aime beaucoup. Je vais reprendre un petit peu du corgi que j'ai mis au tout début. Je vais le faire monter un petit peu plus haut. Voilà. Même chose de l'autre côté. Impeccable. Je vais reprendre mon petit pinceau 225. Et je vais légèrement foncer le truc en appliquant le fard ici, le Cléopatra, qui est un marron encore un petit peu plus. Un petit peu plus foncé et un peu plus chaud encore. Juste un petit peu histoire de. Oui. C'est vraiment une jolie palette hein, qui est très, comment dire, qui n'est pas révolutionnaire au niveau des couleurs, mais je trouve que les couleurs sont bien choisies en tout cas. Elles vont très très bien les unes avec les autres. Il y a plein de possibilités de faire plein de make-up différents, toujours chaud, hein, c'est une palette de chaud, mais je la trouve vraiment, vraiment très belle. Et regardez le make-up en deux temps trois mouvements, c'est franchement... C'est franchement joli hein. Surtout que je suis en train de parler en même temps hein. J'ai pas l'habitude de parler à quiconque pendant que je me maquille hein, soyons clairs. Et ben c'est beau, franchement c'est beau. Hop, un petit peu repasser avec mon éponge, impeccable. Et je vais me faire un petit rat de cils avec un petit pinceau là comme ceci de chez Sephora. Et je vais me mettre quoi, je vais me mettre un petit peu de Squire en dessous, voilà, vraiment un petit peu histoire de. Donc là il y a la caméra qui s'est arrêtée alors que on lui avait rien demandé hein. Même elle, elle en a marre de me voir me maquiller. Ou même de me voir tout court, je ne sais pas. Oh, et cette palette, elle est carrément belle. Hein. C'est, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra. Mais alors en vrai, je vous garantis que c'est super joli. Et c'est d'une facilité d'application. Au secours. J'adore. Tout simplement, j'adore, je me ferai un petit point interne ensuite. Voilà, alors on va passer tout de suite au mascara. Hein. Donc le mascara, je vous ai dit, je vais vous remontrer le Sky High de chez Maybelline, que j'aime beaucoup, qui est vachement bien. Qui allonge, qui sépare. C'est pas le plus volumineux, mais il est bien quand même. Et il me fait vachement penser finalement au Bad Gal Bang de chez Benefit. Il faudrait que je crois que j'en ai un dans mes backups. Je crois que j'en ai un en taille voyage dans mes backups. Et il faudrait que je compare les brosses. Je suis presque sûre que c'est la même brosse, ou en tout cas quasiment. Bon. Je vais terminer mes yeux, je vais terminer le mascara et je reviens tout de suite. Regardez comme c'est joli, franchement. Alors la palette, elle me bluffe, mais totalement. Je pensais que j'allais bien aimer parce que c'est tout à fait les couleurs que j'aime. Mais alors le rendu, c'est juste magnifique. Le mascara, il est super cool. Voilà. Je m'en suis foutue partout, comme d'habitude, évidemment. J'ai un petit peu soupe. On se dépêche, pardon. On va terminer par la bouche. Et je vais faire
un petit combo sympathique à base de crayons. Alors le crayon, c'est le Lip Foundation dans la teinte 020 Caramel Blonde to go, blonde comme moi. C'est un très joli nude caramel. Et voilà, j'aime bien mettre ça en ce moment. Ils sont super les liner catrice, hein. Ils coûtent rien, ils sont hyper crémeux, ils tiennent super bien. Là c'est le nude, vraiment le nude trop beau. Je vais essayer de mettre ça avec un miroir un petit peu plus près de moi. Ça ne va pas faire de boucherie. Voilà. 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 Et ensuite, par-dessus, on va mettre ce petit gloss de chez At McGrath.